Bonjour à toutes et tous. Cette semaine, je vous propose une nouvelle couleur modèle nommée Blue Nebula. Avant de commencer, faites une demande à votre leader ou capitaine de groupe pour entrer les valeurs X et RGB sur le Social Club, comme indiqué en ce moment sur la capture s'affichant sur votre écran, ou de leur partager la vidéo. Pour procéder, il faut placer le curseur de votre souris sur le rectangle coloré correspondant à la couleur de votre crew. Faites un clic droit dessus, puis inspectez. Une console s'affichera soit en bas, soit à droite de votre écran. Repérez la ligne Crew Color Value. C'est ici que vous devez entrer la valeur X, puis valider avec la touche Entrée de votre clavier. Repérez la ligne Background Color RGB, où vous devez rentrer la valeur RGB, valider avec la touche Entrée de votre clavier également. Maintenant, faites sauvegarder ce crew, puis lancez le jeu. Si vous n'avez pas le temps de noter les valeurs X et RGB s'affichant, je les indiquerai dans la description de la vidéo. Une fois dans le menu couleurs secondaires, allez dans Métaux, sélectionnez Aluminium brossé, faites Retour, couleur principale, Métaux, sélectionnez Alu brossé, validez, ressortez. Maintenant, allez sur le menu Métalliser, vous entrez, vous ressortez sans rien valider, c'est très important, je le répète. Vous sortez, vous allez sur Plaque, vous sélectionnez une des trois premières. Vous ressortez, vous retournez sur le menu Peinture, couleur principale. Vous allez sur le menu Nacré. Vous allez sélectionner la teinte bleu ultra. Vous allez valider. Vous ressortez. Vous allez sur Crew, couleur de crew. Vous validez, vous ressortez. Vous allez sur couleur secondaire. Vous allez sur crew, couleur de crew, vous validez, vous ressortez. Et voilà, vous avez désormais la teinte Blue Nebula sur votre véhicule.